Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message angélique de ce mercredi 20 mars 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer la petite philosophie de ce matin, il peut être bon de se disputer, mais il est bon aussi, n'est-ce pas, de savoir mettre fin à une querelle avant qu'elle ne devienne destructrice. Voilà la pensée de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, lundi, je pense que j'avais... Oui, lundi, c'est lundi, oui, que j'ai pigé l'ange de la guérison. Qu'avons-nous à comprendre? Que devez-vous savoir aujourd'hui? Eh bien, soyez bien à l'aise pour accueillir ce message, si cela vous parle. Qu'est-ce que l'archange Raphaël veut vous dire? L'archange Raphaël, c'est la guérison, n'est-ce pas? L'amour, c'est le chakra du cœur. Sa couleur est verte. Fermez les yeux. Imaginez que vous avez ce bel archange Raphaël devant vous. Il vous enveloppe de sa lumière verte, de ses belles énergies positives. Et il vous dit, laisse-moi t'envelopper de ma lumière verte, de guérison, afin que tu trouves, eh bien, la force en toi de dépasser les maux de ton corps et de ton âme. Accueille totalement la guérison en toi. Ressens tes vibrations s'élever. Ressens tes vibrations inonder tes corps d'amour. Tu peux ouvrir les yeux. La guérison est amour. C'est l'amour divin qui se manifeste. L'amour en toi. Pour toi. L'amour est une force puissante qui t'alimente, eh bien, dans toutes les facettes de ta vie. La guérison est naturelle. Elle est une loi de vie divine. Alors, laisse-la être et circuler en toi. Nourris-toi à cette source limpide et thérapeutique qu'est l'amour. Nourris ton corps d'aliments remplis de vitalité. Nourris ton âme de joie, de vie. Ne te concentre pas seulement sur tes douleurs et tes plaies, mais accueille les émotions prisonnières, enfouies dans ces maux afin de les libérer et de les soigner. Tout ça dépend de ton mental, du travail que tu vas effectuer pour libérer ce qui a à être libéré. Toutes ces émotions de cette vie-ci, de tes vies antérieures, qui sont enfouies. Il faut les faire sortir et arrêter de les mettre dans une prison.
Alors, accepte la maladie et questionne-la. À quel moment as-tu abandonné l'amour de toi-même? À quel moment as-tu abandonné l'amour de toi-même? Accepte. Accueille et rectifie ce qui peut l'être dans ta vie. En accueillant la maladie, en l'acceptant, en faisant ce beau travail sur soi, je pense qu'on peut y arriver. On peut tous y arriver. Alors, accueille la guérison ici et maintenant. Accueille la guérison ici et maintenant. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Oui, vous allez encore me dire, mais non, je suis émue, voilà, ça me touche profondément parce que, voilà, je suis touchée aussi par une maladie et ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais voilà. Essayons de faire au mieux qu'on peut et semer beaucoup d'amour autour de nous et pour soi-même. Et travaillons sur nos distorsions de cette vie et de nos vies antérieures parce que je le dis souvent, ce que nous n'avons pas travaillé dans nos vies antérieures, eh bien, nous ramenons nos valises ici quand on se réincarne et nous remet ça sur le tapis. Donc, on nous remet ça devant nous. Donc, c'est pour ça que travailler avec les 72 ans, c'est important. Sur l'année, évidemment, on ne va pas transcender toutes les distorsions de toutes ces vies que nous avons vécues avant, mais au fur et à mesure de chaque année que nous travaillons avec chaque ange, eh bien, on diminue, je vais dire, on diminue son ardoise. Et ça sera ça qu'on ne devra plus vivre dans notre prochaine vie. Waouh, quelle semaine, n'est-ce pas? Voilà, allez, je termine avec l'affirmation positive. Je me fais confiance en toute situation. Voilà, je me fais confiance en toute situation. Je me fais confiance en toute situation. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse tout fort et courage à vous, vraiment.